Ba yiwa sa inyo sakre otou ya mutu moko. Se kagani. Ha? Mama azoye bisa yo. Taba tu nyo so tu wana. Tango biso to marche. To se na intégrité territoriale. To yo peta masole a minembo. Qui a entendu ces gens là faire une déclaration na sans avoir soutenu des marches? Ba tu tu ou ba sanganyo ya. Ba fang diongo. Ba ngon nyo so. Qui a fait une déclaration soutenant? Ba ndora parti est. C'est ça la stratégie. La stratégie n'a pas besoin d'aller. Bazan n'a pas besoin de désorienter le peuple. Le vrai débat aujourd'hui, c'est le deal qui a été signé entre Bamounios et Kagame. C'est ça la stratégie. Bamounios et le monde d'abord. Bah, une fois qu'il y a eu le conseil, il y a eu Bimpumbu, le Balandara Baninga, il y a eu le Molongo, il y a eu tout le grand leader. Bimba. Azana Museveni. Moïse Katumbi. Azana Kagame. Félix Tshisekedi. Azana Kagame. Kabila, Anna Kagame, va créer bloc Nabango pour nous distraire. Au moment où nous parlons, Hutu a un problème. Bah Hutu Rwanda, bah on mabele, bah Obunda. Ouais. Allez chercher l'information. Bitumba la makasi lelo, bah on a posé va créer bloc pour n'isoler bateau bah pour avec le peuple pour que bah atteigne l'objectif. Et sauf au moment agitation, nous sommes au moment wana. C'était pourquoi. Bah il a qui va faire makamwa ici là, Mbango avant publication à résultat. Il y a une élection présidentielle aux États-Unis. Moment où M. Félix Tshisekedi va faire aventure, va déposer le projet de budget, 6 milliards 800 millions. Vous pensez que ça qui est en collaboration avec M. Félix Tshisekedi? Quand on vous dit qu'il veut trouver des solutions au problème de la population, avec 6 milliards 800 millions. Mais on nous a parlé de 15 milliards 800 dollars chaque année. Mais il devait intégrer ça. Lui dit qu'il lutte contre la corruption et le détournement de fonds. Mais pourquoi on ne voit pas d'évolution? Nous quittons de 10 milliards 900 millions à 6 milliards 800 millions. Mais M. Félix Tshisekedi n'a pas pris de décision, n'a pas pris d'ordonnance, mais il a pris une décision. C'est-à-dire que c'est par l'oralité qu'il gère la République. Le président de la République n'a pas besoin de dire que j'ai pris la décision. Il suffit seulement de voir son ordonnance pour se rendre compte qu'il y a une décision qui a été prise. Mais lui prend la décision à partir d'un simple communiqué. Il prend la décision de décider après consultation. Mais quelle est cette décision-là? Numéro dans les années. Qui vous dit que Kabila n'a Moïse Katumbi au Canada? Parce que vous avez se contenté na Obota à la TV. Oh, maman Angaï, qui a donné à Moïse Katumbi tous ces lieutenants là? Le G7, n'a pas bon. Francis Kalombo, a commis na Moïse Katumbi n'aide. Major a commis colonel Bangouache, Aaron. Comment tout ça a été boutiqué? C'était une stratégie de la salade pour que Yé a intégré l'opposition et permettre que Bango va fragiliser l'opposition pour qu'il y ait du Makanga. Voilà. Ce moyen Moutazu piqué à Poison, après l'hôpital, n'était pas piqué. À Melagini. Oh, il faut faire partie Kabila, Lélo. Moutunio surtout à Yoka, Lélo. Pour faire partie Kabila et tirer la solution à Moko. Pas sortie de crise, pas dialogue, pas concertation. Il n'y a que la révolution. Parce que la révolution va résoudre la grande crise de Nalobaki, crise à Liboso, entre les institutions et les peuples. Et c'est le seul mécanisme où il a lié, où il a constitutionnellement reconnu, il n'y a que la révolution. L'article 64. Bande Kobalandi, applique la télévision, la chaîne de vérité. Vous allez bêler au côté de la bande de Nabino. Mbote Nabino, il n'y a pas de rejoignement. Merci de la confiance. Vous allez vous renouveler dans la chaîne de vérité. Vous allez vous bêler à Bissot. Tout le monde me dit pourquoi. Et là, vous fandi, il y a un téléphone Nabino, vous simi un iPad, vous fandi, il y a un ordinateur, un écran téléviseur pour nous faire une émission vérité de tous côtés. Dans la chaîne de vérité, applique la télévision, chaîne où vous allez vraiment dans la vérité. Donc, il y a un mini-mini. Il n'y a pas de vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Le Nazan est un peu comme ça, Bino, Mwanamboka, Alain Bolojoa. Pour tout ce qui est en train actualité politique est vraiment exalée. Le Lengi la loi est allé faire couler beaucoup d'encre et salir votre solo là. Retour à présent Moïse Katumbi pour Nakati à Kinshasa. Votre solo là, ma consultation déjà. Mwanamboka Jean-Pierre Bemba à Kindeki déjà. Mais quand c'est trop hier, ben Nassima. Il y a ma communion sur les collègues, il y a ma consultation pour ça, la ma peuple congolais, Azina Nini, et puis tout sur la mouki, analyse naïe par rapport, on a la mouka, les alaki bongo, on a ba leader, ou le batikalaki, mais Kazemi balé déjà,
bakayi consultation alors que bamiso swatikali bakayi te kozonga na bango est-ce que vous allez kaka bomoko la moke kufi to pe zali kaka na bomoko sans plus tarder na pesi merci na cordon puis ma fricou zo mi sa si ma caméra merci na ba congolais le sous union so pe na yo chrétien pour partir le référendum depuis Paris papa ne vous dit bonjour bote mama na ngai bote na balandi en tout cas merci une fois de plus pour l'opportunité au pays sur mkoale le Papa Neboudoujoa, tout sur la vraiment actualité, vous allez faire couler beaucoup d'encre et salive, vous allez faire couler beaucoup d'encre et salive, vous allez faire couler Félix Antoine, tu sais qui est bien ici, qui est congolais, vous allez quand même un leader politique pour aider à établir la question, il y a bien une crise politique, déjà, moi, je suis Martin Fayou, la Sela Ekolobela Yango, mais juste après, il s'est rendu compte que non, crise vraiment, il y a une consultation avec ça, là, vous allez déjà, vous allez faire Jean-Pierre Bemba Kende, qui tout moni Moïse Katumbi paye pour nous rekende le dialogue est-ce que ma solo et ndenge ko sala ma soki Joseph Kabila qui était Martin Fayulu pas qui était tous la ligne bon la question n'a pas comprendre sens nango justement parce que la question batunyo se baza ko mi poser bon pas batunyo se batu mingi baza ko mi poser mais nous devons d'abord nous poser la question pourquoi monsieur Félix Tshisekedi a sali porte ouverte bon bien en consultation ils avaient porte ouverte à la présidence parce que au moment généralement même dans des écoles bah il y aura jour où moi bah fonge la porte pour bah visiter là à ce moment on est à l'aventure et quand je l'avais dit bah tu vas comprendre ingaté mais tant que bah comme yoka makambo bah ninga bah comme koloba bah tout bah zaire kobima en tout cas c'est là vraiment aventure moral institutionnelle madame Monsieur Félix, c'est qu'elle vous dit pendant 6 minutes que Eloko Epesi est Kanda pour convoquer ma consultation. Il a eu le fait que Baboua y corresponde à ma invitation à l'aventure et sa main à l'Assemblée nationale. Ou bah, ça qui, le parlementaire debout va prêter serment, juge va prêter serment devant le parlementaire debout. Loko là va partenaire naïe, tout va adepte, il y a partenaire naïe, bah yéti. Epesi est Kanda pour convoquer Bato. Va consulter Bango et puis Nasuka et permettre qu'il y ait une décision parce que dans ma propos dans le j'ai pris la décision de prendre la décision après consultation ce qui veut dire que la décision a qui liboso et d'aller au Yassali mais quand on parle de la décision du chef de l'État dans un État qui se veut normal on fait allusion à une ordonnance ah bon? Mais M. Félix n'a pas pris de décision n'a pas pris d'ordonnance mais il a pris une décision. C'est-à-dire que c'est par l'oralité qui gère la République. Le président de la République n'a pas besoin de dire que j'ai pris la décision. Il suffit seulement de voir son ordonnance pour se rendre compte qu'il y a une décision qui a été prise. Mais lui prend la décision à partir d'un simple communiqué. Il prend la décision de décider après consultation. Mais quelle est cette décision-là? Numéro non, les amis. Exact. Ce qui veut dire que le cadre déjà... La consultation n'est pas légale, bien que politiquement acceptable, mais n'est pas légale. Ça, c'est déjà un fait. Deuxième fait, pourquoi a-t-il pris cette décision de prendre la décision? C'est justement parce que, à Lingaki, le Koya a violé la constitution en mettant, en nommant le juge de la Cour constitutionnelle en violation de l'article 159 de la constitution, l'article 10, l'article 6, il y a loi organique numéro 13/026. Il y a 2013 portant organisation et fonctionnement à cour constitutionnelle. Et Bunga qui y est en tant que garant de Bamba Lobara. Garant, c'est-à-dire que Moutoua a pouvoir sur poids constitutionnel. Et Bunga qui est se va se soumettre à la caprice. Nae. Le col a basalé en côté. Il veut maintenant chambarder l'ordre constitutionnel et institutionnel pour accalmer Bardeur. Ce qui veut dire que, soi-disant décision, Wana M. Félix, c'est que la Zouaki. Et là qui par rapport à et là qui trouve avec état d'âme par rapport à ceux d'humeur les agis décision et bien la décision. Sauf comment il veut résoudre le problème ou quelles sont les crises que lui a mis en évidence. Et là les crises entre FCC cash. Oh sauf que pendant 4 ans profondément fin de pendant ça l'analyse nous avons 4 crises. Wow. 4. Ni balayé mais 4. 4 crises. Mais la 4 crises on a ils allaient échelonner. Toutes les crises n'ont pas la même teneur. Crise à ma casse, où ils ont paralysé le fonctionnement à l'État. Il y a ma casse, ils allaient crise
entre le peuple et les institutions. Pour tenir ton rappeler, tant que tu es dans la Sand City, tu es dans la Kiboui. Peuple de Mukundi, article 5 de la Constitution. Il a agi de manière directe ou indirecte. Il a agi par voie référendaire. Il a agi par rapport à ses représentants, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'Assemblée provinciale. Il a agi de manière indirecte à partir de bateau, il a agi dans le combo de bateau ou de Ponaki. C'est ça en fait la philosophie de la Constitution. Il y a un peuple de souverain. Et en tant que souverain, volonté na yo la li christianiser na constitution et la li la loi de loi on va bénir constitution soko violer volonté à peuple au créer fossé entre peuple na yo, c'est-à-dire au violer ba consigne ba pesa ki. Mais monsieur Félix c'est qu'il a violé intentionnellement plusieurs dispositions constitutionnelles. Partenaire na a violé intentionnellement plusieurs dispositions constitutionnelles parce que la constitution voudrait assez que la population voulait assez que avant comment Mokonza Moka Oyo, il faut passer par la population. Et puis la population a le bi, n'a organisé pour la courir la volonté d'engager, n'a créé CENI. CENI, rôle à CENI, au regard de la disposition constitutionnelle, l'article 211, si je ne m'abuse pas, rôle à Isalini, de constater la volonté du peuple à partir du suffrage. C'est-à-dire que ce qui va le bi, il y a eu 21 candidats. Sur les 21 candidats, Ngaï peuple n'a pas X. X ou un an, il faut abîmer ma président. Et puis, là, pour avoir constaté, tous les partis politiques, il faut signer, oh, il faut signer, procès verbaux. Pour publication, il y a élection, et ça, il sur base, il y a procès verbaux. Il y a les témoins, il signer. Mais pour réduire maintenant, parce que le candidat va être belé, il faut prendre 5 personnes. Va signer procès verbal. À partir de ça, la compilation, tini pour que Moto a rubima président, abima. Deuxième étape, la population a lobby. Le col a créé CENI, n'a créé que cour constitutionnel. Ce qui veut aussi c'est constater la légitimité, c'est-à-dire ma volonté. Parce que légitimité, c'est la volonté à peuple. Oui. Ma volonté. Deuxième étape, bon, la, ce qui démarche, il y a CENI, oh, il y a PCE, il y a ce qui est la lingi, bon, ce qui est conforme, la volonté, il y a ce qu'on appelle la constitution. Il y a un mot qui la légalité. C'est-à-dire que Moutou a la libre candidat, a la libre président, a la libre revêtu la légitimité. Par le fait que la CENI a constaté la loi du plus grand nombre, il a obtenu plus de voix. Et puis la légalité, la légitimité, où il a constaté dans le niveau à cour constitutionnelle. Mais où est M. Félix Tshisekedi, il a été kabylocratiquement élu au lieu d'être démocratiquement élu. C'est-à-dire que la seule volonté de Kabila suffisait. Cette crise-là ne peut être résolue que par la révolution. Ça, c'est déjà un. Deuxième crise, crise de la lutte au sein de la classe politique. La classe politique, Tolokana, Toto, sa peuple, ceux qui ont été élection, ils ont été élevés, mais dans le respect strict, il y a un système de jeu. Mais ça, c'est le football. Ils ont été élevés, ils ont été élevés, ils ont été élevés. Et là, ils ont été élevés, ils ont gagné Muninga. Mais ce qui est vrai, la norme, il a dit tout ce tout, il a dit consentant, on accepte le système de jeu, le principe où tu consacré. Mais là, ça a mis ce que j'ai dit. Quand tu as eu la difficulté, tu as eu la système ou bah chaque FCC cash na FCC na cash ba yokani ba umba bango crise wana ne tinda ki kulut na pso matin falou a ke ne représenter plan de sortie de crise crise wana la crise entre bango bien que ça na effet sur la première crise mais la crise entre bango la classe politique ba ko résout bango par des arrangements ba ko résout bango par des rencontres. Une autre crise c'est au sein du système du régime politique, c'est-à-dire que là où maintenant on prend des décisions. Deux composantes, il y a classe politique qui a une majorité, c'est-à-dire FCC na cash, bango pe ba na crise. Crise na bango, il y a une incidence sur le fonctionnement de l'État dans son ensemble, il a eu quoi impacter toute la classe. Crise wana, pour que si là, entre bango, il y a un cadre constitutionnel et légal. Ils doivent trouver la solution dans le niveau de la institution. Il y a encore une autre crise, quatrième crise. Voilà. Crise au sein du cash. Une des na INC, bah na crise. C'est-à-dire que nous avons dit moment, nous avons 4 degrés, à 4 niveaux de la crise, où nous avons dit que ça, que le pays est fonctionné. Mais M. Félix, c'est qu'il a résolu quelle crise? Oui. M. Félix, c'est qu'il a résolu des crises de ménage qu'il y a entre FCC et Cash. Toutes les autres crises, là, Tiki.
voilà, ce que Christ déménage aux alliés entre FCC Cash, est-ce que vous allez résoudre? Na comme on a gardé des gomusus, on est Moïse Katumbia, bande gomusus va couloir et vraiment y a des mutua, y a clôturé tout au bon malibala entre FCC Cash. Maman andai, Monsieur Moïse Katumbia, c'est un affairiste. Na benga bango na français, na linga la facile, na benga bango les âmes perdues. Monsieur Moïse Katumbia ne peut pas résoudre la crise qui existe entre FCC Cash. Parce qu'il n'est pas partie prenante. Non, non, parce que ce qui a été fait, il y a des coups Félix, alors que Balbi qui n'a Zali, voilà, c'est non, Batouna, il y a Babi qui n'a Zali, Moko, il y a politicien, ou Kabila Banga. Ah bon? Kabila, comment on va à Moïse Katumbi? À Koukaraïta. Tout n'a pas tout, Babi Kabila, bah ouais, ça. Moïse Katumbi, il a lu le plan C, il y a Kabila. Boutouza, vous comprendre. Moi, je sais comment Kabila, Moïse Katumbi a été façonné par Kabila. Bissonné, tu as empêché Moïse Katumbi d'être candidat à Kabila. Maman, je connais Kabila, je connais Moïse Katumbi. Et là, ça a mal les années. Il y a qui va catangaliser, au bisou tourné à l'époque, va catangaliser gestion à pays. Il fallait qu'un Katangé remplace Kabila. Bissonné, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as candidat. Est-ce que vous avez dit que Kabila, mais Maka, tous les leaders, il y a Katanga, na ferme moko na Katanga, tant que Moïse Katumbi saka déclaration, il y a troisième penalty. C'était une manière de faire pression à Kabila. Au Kabila, le Baki, j'ai donné plus d'avantages au Katangé, au détriment à Batu. Je ne suis pas le président, il y a Katangé, je suis le président de la République. C'était là. Parce que nous avons tout fait pour que Moïse Katumbi soit candidat. Qui vous dit que Kabila n'a Moïse Katumbi au Ghana? Parce que vous allez se contenter de vous faire la TV. Oh, maman, qui a donné à Moïse Katumbi tous ces lieutenants-là? Le G7. Non, après, c'est bon. Francis Kalombo. A commis Moïse Katumbi. Major a commis colonel. Bangouache. Aaron. Comment tout ça a été boutiqué? C'était une stratégie de la Salada pour que Yé a intégré l'opposition et permettre que Bangouache a fragilisé l'opposition pour que Yé a mis Makanga. Voilà! Ce sont les alliés Kabila, ils allaient plutôt FCC. Ils empêchaient, bon, MP à l'époque, ils empêchaient Moïse Katumbi d'atteindre l'objectif. Ce n'est pas Kabila. Kabila n'a jamais eu de problème avec Moïse Katumbi. Wow. Jamais. Bato la Bundi, ça, ils allaient Baobin. C'est-à-dire les gens de l'Ouest. Il y a une piquure. Ah, maman, il y a un moyen où tu as vu piquer à poison, que l'hôpital n'était pas piqué. À Meragini. Pourtant, à l'ongo, à maman, que ça a bâtonné, à ça a piqué en haut. Vous blaguez avec le poison. Hein? Poison sur le côté à niveau à Mongongo, ils ont dit qu'ils réagissent en deux, mais côté à niveau à piquer. De quoi l'aime le joie congolais à attendre Nina Zelanini, la classe politique, la bisso, ou pour yo, pour le bakeno jusqu'aujourd'hui, Moïse Katumbi avec Kabila, bon, Félix est encore avec Kabila parce que jusque-là, divorce, c'est allé consommer, coalition, bazalina, nous bimba, mon amour, Jean-Pierre Bemba, qui est consultation, bande komisou, yo, bah, y député, population, et vota qui vraiment était là qui montait ma position. Mais quand c'est l'autre, comme on a, Daniel Safou, on a une position dans la population congolaise. Bon, et donc, les Safou, nous parlons de grandes choses. La crise entre FCC Cash est allée due par le fait que FCC se reconnaît majoritaire dans l'Assemblée nationale. Oui. L'UDPS considère pour sa part, ou M. Félix, c'est qu'il y a une association. Bazao considère pour leur part que cette majorité doit basculer. Ce qui veut dire que le débat autour de l'angle, le Katia Kamuna Bango, il a dit que M. Félix, c'est qu'il veut se donner une majorité. Pour se donner une majorité, Bazao a envisagé qu'au dessous de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas facile, il y a au moins un consultant qui n'a pas. Ebisi Bango, dessous de l'Assemblée nationale, oui, c'est constitutionnel. Mais maintenant, comment reconstituer la majorité après la dissolution? Parce que Nanga a fait un mandat. Ceux qui vont dissoudre l'Assemblée nationale, automatiquement, personne n'aura la compétence de mettre sur pied une nouvelle CENI. Conséquence, la machine sera bloquée. La loi voudrait assez que, bon organiser, ou la constitution et la loi, voudrait assez que, bon organiser élection au plus tard 2 mois après dissolution de l'Assemblée nationale pour avoir une nouvelle majorité. Ouais.
Parce que s'il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de Parlement. S'il n'y a pas de Parlement, on n'est plus dans la charpente institutionnelle d'après la Constitution. Automatiquement, nous sortons du cadre constitutionnel avec comme incidence l'illégitimité de toutes les institutions. Cette démarche-là, ils ont facilité. Deuxième démarche, qu'on fait basculer la majorité en prenant Batuya FCC, Bakoma Batuya cash. Difficulté d'aligner. Ce qu'on dit, regroupement politique. Bah, intégrer une nouvelle majorité. Ils allaient possible politiquement, mais juridiquement très difficile. Pourquoi? Parce que la loi, au bas révisable, il n'y a pas longtemps, la loi brille le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bah, le bibouille. La majorité parlementaire se constate dès l'entame de la législature. Et ça se fait de manière déclarative. Moutounio, ça déclare que je suis membre de la majorité. Mais la loi n'a pas donné le mécanisme à Robin Moutal ou à la majorité. Il y a un moment, chaque fois que je suis membre de la majorité parce que j'avais fait une déclaration au départ. Ce qui veut dire, là aussi, c'est très difficile. Si vous battez, vous bah, Moïse Katumbi consort. Bah, moi, d'assignera déjà, à quoi la non-agression, M. Moïse Katumbi, M. Bemba, na, M. Félix Tshisekedi. Bah, le Canada, bah, s'entretuera. Bah, mi bon maraté. Bah, ça a toujours marché, n'a pas ensemble. Attends, ça a rassemblé aux Amoutalamouka, mais ce qui est vrai, à l'approche, il y a Félix Tshisekedi, Koleka, Nengaza, na, Fayulo. Bah, quel est le dialogue? Et consultation. Mais dans la consultation, sur le il y a la configuration de Maramne, il y a qu'à évoluer. Catholique, c'est qu'il a déjà compris qu'il ne va apporter aucune solution. Comment ça? Mais bon, on a dit à Maramou, il y a tout le monde. Il y a encore un bini. Ceux qui n'ont pas dit que Maramou, il y a un bini. Il y a un bini qui est en Kabila. Théodore, il y a un bini. Clairement, devant le journaliste, que M. Félix, c'est qu'il a violé intentionnellement la constitution, a préjudicié ma client. Il a donné une piste de solution à M. Félix Tshisekedi. En lui disant que M. Félix Tshisekedi, au regard de la loi, bah, juge au Bino Bolongoli de manière arbitraire, il faut prendre les barons en charge pendant 2 ans. Et M. Félix Tshisekedi a promis de voir la situation, comment résoudre ses problèmes. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, de manière tacite, a reconnu qu'il a péché à Salimabe, mais il a résolu en mot par devoir, par le mécanisme financier. Ça aussi, il a dit déjà un aveu. Ok, il est sur le cardinal Ambongo et Mosengo. Alors, dit clairement que les gens qui sont libres, ils sont libres, les vrais problèmes, ils ont retouché le peuple, la population a souffert, la vie est commis intenable. Il met aussi en évidence les problèmes à Solo. Mais le problème, on a eu un lobby et vous avez résolu qu'à un niveau institutionnel. Ce qui veut dire que si on dit Batunios, en dehors de Bateau, Bayaki, Kosala, Banjale, le Bazaki, demandeur d'emploi, mais tous les autres qui sont restés, Balaxi, M. Félix, c'est quelqu'un. Nzelo, Ozako, Ozo, Kende, c'est difficile d'atteindre. Conséquence des années, M. Félix, c'est quelqu'un sera astreint à renégocier avec Kabila. Ce qu'a renégocié avec Kabila, M. Félix. Mais maman, Angaï, ceux qui alignent ça, les lots, oh, vous voulez faire partie Kabila, lelo. Moutounios au toit yoka, lelo. Pour faire partie Kabila, il y a une solution, à moko. Pas sortie de crise, pas dialogue, pas concertation. Il n'y a que la révolution. Parce que la révolution va résoudre la grande crise dans le bâti, crise à Liboso, entre les institutions et les peuples. Et c'est le seul mécanisme, il a constitutionnellement reconnu. Il n'y a que la révolution. L'article 64. Alors, le président de la République, selon l'initié article 64, va bien y avoir 13. Il est perdu. Mais c'est fait, c'est qu'il ne fera rien. Tant que je vais Moïse Katumbi, parce qu'il y a eu Kansake, il y a un député, il y a un sangana. Si on a un calcul grossier simple, on se rend compte que madame, attends, ce qui est sangi, si tu es à la Mouka. La Mouka, ça a combien? 87. 87 députés. Il y a 87. INC. Na IDPS, bah, tout ça, ça gagne moins de 50. Vous sangez ici. Bateau, bah, tu as le barque, bah, zali, bah, député, naï. Bon, comptez, bah, député à Karaté. Bon, comptez, bah, député, bah, on a naï na sima. Oh, bah, député, bah, on a naï sima. Sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, nani, bah, zali, considéré le quoi, bah, zali, bah, tu as FCC. Pour bah, ça, la déclaration, bah, ça, une déclaration contraire. Ce, bah, on commet belé, bah, on commet bah, 167. Mais est-ce que ce que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a concité Kabila, parce qu'il y a des chadars, il y a des gens qui ont été en colonie, comme il y a des crises, ils ont été menées,
wana crise ali bousso asuki na makolo a Kabila parce que crise de ménage ils allaient entre FCC cash ils allaient crise oyo ndeko Martin Fayulu le madi de Lubaka a consulté ba mumi ba est-ce que ko résoudre problème ti non et ko résoudre problème ya Félix Tshisekedi azongi na makolo a Kabila moi sur alingaki alongwa ya libala ayo senga mabaye bolimi zo ba ndimi bazonga ya libala là là en même temps ça la ba réforme. Non mais attendez, bah ça la réforme oui mais pour résoudre quel problème? Parce que la crise à légitimité n'est pas une crise qui touche directement la personne de Fayulu. La crise à légitimité c'est la crise qui touche la population. La population n'a pas été consentante. Bon désorienté volonté à peuple. Le mouton à la ligne victime la décision ouane la ligne peuple. Et en second plan monsieur Fayulu parce qu'il a été choisi. Ceux qui vont résoudre le problème là monsieur Fayulu. Pour résoudre le problème, pourquoi? Ils allaient trouver une solution palliative. Ils allaient quoi? Moutou, moi, j'ai une passe à l'île, mais mon PC aspirine. Et qu'on calme pas sa moutou, mais là, qu'ils allaient voir, maladie et colombaté. La solution est la meilleure. Reste la révolution. Quand le peuple va se prendre en charge, à ce monsieur Félix, c'est que monsieur Kabila, FCC cash, à tchèba, moi, tout Libanda. À partir de ce que le peuple a remettre en place un cadre de concertation au Tobéry Congrès fondateur. Bah, on peut savoir de nouvelles orientations. Il va maintenant signer un nouveau pacte avec les institutions. Après, ça va avoir orientation pour que va retomber la dérive. Dans le temps, bah, l'institution est fondée, bah, qu'on organise ce qu'on va élection. Et la personne qui va avoir l'ancrage sociologique, il y en a qu'on a élu. Donc, là, ce qu'on peut dire, Martin Fayulu va se retrouver. Mais ce qui n'a pas arrangement, c'est un arrangement entre eux. Et qu'on résoudre deuxième crise, troisième crise, certainement la quatrième. Mais première crise, vous avez résolu. Voilà, la seule solution, les Alibongo Révolution, le Lingue, mon Amboka, Papa Limboudjoa, Outi Koloba. Pour finir, l'Amboka, analyse Nayo, a déjà des leaders ou Outaka, la population, Balobakango, très souvent, dont nous allons descendre, nous sommes sur le terrain. Parce qu'on signe le président Martin Fayulu comme président élu, en même temps coordonnateur, il y a l'Amboka, tant qu'on a dit, l'Amboka, il y a ça la déclaration, moi, qu'on souhaite, à Bengana, Ndeko Jean-Pierre Bembana, Moïse Katoumbi, pourquoi? Parce que Bazali, vraiment, et le monde a été, opposition républicaine, et qui m'a ébélé, moi, l'Amboka, Martin Fayulu, ça la Bazara, d'accord, on a été. Lélo? Il a qui s'amuse bouillir dans poissons, même si nakati a charte il y a la mouka et talisi était mutuna mutu leader songolo par la zali na nzela ya kuzwa décision moko ya engagé yé moko donc leader politique parce que la consultation c'est que la mouka bazana na bomoko maman angai la mouka ezaka jamais bomoko la mouka ezali na deux tendances la mouka structurelle au bobenga ba signataire ou va prendre un candidat commun, na la mouka populaire, na katia la mouka populaire, ndo mouna raba prince, benge, ba niko, ma engele, ba men, yon surtout, na ba militant, yon surtout, na population, va adhérer à la vision. Ba mou ba majorité. Mais la mouka populaire, ne a commissaire, monsieur Fayulu, président de la République. Ba mou kouna, ou prenaki candidat, ba mou ba commissaire, président de la République. Élu, mais non proclamé. Ce qui veut dire que l'homme est le baboué. Il y a déjà une grande crise entre les deux. La mouka structurelle, il y a deux personnes sur les quatre bâtis. Bango ba ngi ba sa opposition républicaine proche de Félix Tshisekedi. Bon mon comportement là-bas. Yo so mona un opposant. A o type mboka pas afanda. Ba yambi na pouvoir. Ata na ba histoire ba politique ya monde entier. Yo so mona parti au pouvoir de yamba opposant à l'aéroport. Parti au pouvoir et kende ki kuna. Maman na yide pesa ke ko yamba Moïse Katoumbi avec drapeau. Na ba banderole. Ba toi yide pesa ki yamba. Ce qui veut dire quoi? On ne les considère pas comme opposants. On les considère comme un partenaire. Ça, ce n'est pas une opposition. Ils sont opposants. Et donc, il a dit vrai. Par le fait seulement que Yé a commis proche na pouvoir, automatiquement, s'il était consciencieux, il était sincère avec lui-même, il devait faire une déclaration disant que Banda Lelo n'a commis membre Yakash. Mais il ne veut pas le faire pourquoi? Il veut fragiliser l'action et à la mouka. Il veut aider les pays. Fragiliser l'action de la mouka. Mais Bato va comprendre, bah, et puis, et tous, bah, il y a ça, union sacrée autour de Moutou Moko. C'est Kagame. Hein? Maman, je dis ça, tant que vous avez besoin de tout marcher, de tout faire l'intégrité territoriale, de tout mettre à ma soleil à Minembo, qui a entendu ces gens-là faire une déclaration dans le sens à soutenir des marches?
qui a fait une déclaration soutenant Bandera Parti Est. C'est ça la stratégie. La stratégie n'a pas d'aller. Bazan pour ça va désorienter peuple. Le vrai débat aujourd'hui, c'est le deal qui a été signé entre Bangonyos et Kagame. C'est ça la stratégie. Bangonyos et Romon d'abord. Bah, il faut que Dieu me console, bah, Bimpumbulu, Balandara Baninga, Bazan Basola Molongo, bah, on est tout bas grand leader. Bimba. Azana Museveni. Moïse Katumbi, Azana Kagame. Félix Tshisekedi, Azana Kagame. Kabila, Anna Kagame. Bah, quel bloc n'a bango pour nous distraire. Au moment où nous parlons, Hutu a un problème. Bah, Hutu, Rwanda, bah, Osenga Mabele, bah, Obunda. Oui. Allez chercher l'information. Bitumbela, ma casse, il est là. Bah, on a posé, bah, créer bloc pour ma isoler bateau, bah, pour, avec le peuple pour que bah, atteigne l'objectif. Et ce que mon aki agitation, nous sommes mon aki wana. C'était pourquoi. Bah, il y a qui va se faire, ma ici, là, mbango, avant publication, à résultat. Il y a l'élection présidentielle aux États-Unis. Est-ce que le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis a une influence dans Mbouga Mbisso? Parce que déjà tout le monde est dans les réseaux sociaux. Selon les statistiques, ils ont déjà moto, déjà on dira qu'on a emporté l'écolo à Donald Trump, la faute Bimi, na moi si na yé na Jeannette Kabila, yé moko na Jeannette Kabila. Est-ce que ça a une influence? Ils attendent sous terre retour y a Kabila na ba faire. Maman Langa est là qu'ils a livré les Américains, bah ça la ramaram pour leurs intérêts. Il y aura une incidence, certainement, mais pas en termes de changement radical. Mais vous avez peut-être par rapport à teneur, par rapport à l'impact. Parce que Mouto a dit les lots, Amer. Alors, l'année prochaine, alors, il y a un ambassadeur pour mandat à Essili. Il y a un de Moutao, coaché Kabila, Félix Tshisekedi. Il vous suffit seulement d'y avoir une interview ou accorda qui tombe accorda qui audience na Rubéwa avant Marambo et Bavantu tout beau senti le lot et salama. Alors, nous devons mettre fin à dossier Banyamouleng. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ça la stratégie qui a été conçue. Mais Mouto a zakoya le lot. Et le coup, il y a une vidéo qui a zakoloba à Bouya Kinjustice parce qu'il y a déjà un combattant qui est apartheid en Afrique du Sud. Il y a un combattant qui est apartheid. Bien qu'il y a quelqu'un de la côté, il y a un démocrate, mais il n'est pas dans la logique, il y a qu'on déranger l'État. Peut-être, il y a quelqu'un influencé. Mais ce que je dis, dans quand tu as parti, il y a des gens qui soutiennent la balkanisation de la République. Non, il y a des gens, mais tu as dit, quand il y a parti dans Bango, il y a parti dans Bango, il y a parmi les gens qui ont entretenu Kagame. Mais ce qui est vrai, yé moko, a na philosophie mususu. Yé bat baza ko espéré. Mais au-delà de la volonté naïe, au-delà de la souci naïe, a voyou ko sala, et nous que vous allez vrai, personne ne peut déterminer notre avenir en dehors de nous-mêmes. Voilà. Ce que nous voulons, c'est plutôt mettre la position, la population dans la position à révolution. Maman, a naïe, voyou ko matabo, kiti, bo sali, bo ningi sin dete, aucune solution, et voyou ko me ma, mbo ka yamso na tomboa sans la révolution. Il n'y en a pas. Moment où M. Félix Tshisekedi va aventure, va déposer le projet de budget, 6 milliards 800 millions. Vous pensez que ça qui est en collaboration avec M. Félix Tshisekedi? Quand on vous dit qu'il veut trouver des solutions au problème de la population, avec 6 milliards 800 millions. Mais on nous a parlé de 15 milliards et 100 dollars à chaque année. Mais il devait intégrer ça. Lui, il dit qu'il lutte contre la corruption et le détournement de fonds. Mais pourquoi on ne voit pas d'évolution? Nous quittons de 10 milliards 900 millions à 6 milliards 800 millions. Il a pris des engagements avec les enseignants. 340 000 enseignants, il faut pas genre. Et puis au-delà de ça, est-ce que vous savez qu'on doit ajouter la liste d'enseignants plus de 60 000 enseignants pour la recote Sabano Baobotam? Oui. Parce que 3 millions d'enfants chaque année, bah, va demander la première année primaire. Pour te botter à 3 millions d'enfants chaque année. Wow. On va faire comment? Oui. Wow. Ce qui veut dire que le danger, il a lié le lot. Batouana baolu kaba solution palliative. La meilleure des solutions, c'est établir un nouvel ordre politique. Et seul mouta ou ça la mouza la population. Pour biso se to sali, ba ou maîtriser biso. Mais population sera assili qui regarde l'article 5, il y a constitution, na article 64. Beaucoup moins que on va résoudre le problème de manière structurelle. Qu'on soit M. Félix, c'est que M. Kabila, M. Cash, on va tout tirer, on va les bande. À partir de ce qu'on va convoquer, congrès fondateur, on va l'état généraux secteur par secteur, et puis on va dégager un nouveau projet de société, ou une commission avec une nouvelle constitution. Dans la carte de la constitution, dans la disposition transitoire, tous ceux qui ont eu à gérer le pays ne seront pas candidats. Ah.
Merci beaucoup, mon amboka Alain Bolodjoa. Tout comme il a sous émission de Bissot, pour naïe, rien que la révolution, il y a un monde qui a changé Mboka à Bissot, il y a un monde qui mettre tout à terre. Donc, consultation, dialogue, l'autre. Mais quand c'est un peu comme ça, il n'y a pas Alain Bolodjoa. Parce qu'apparemment, peuple Azali est veillé, peuple Azali n'a qu'à y a distraction, peuple Azali, c'est juste quand il y a une partie, hein, Moussou, son Azali, il y a un l'amouka, l'amouka. Mais c'est beaucoup ça la nini pour nous comment à niveau on a que nos peuples lobby à se lever à télé. Maman a l'habitude de ça quoi, trop sensibilisé. Bah jeune bah allez bébé bah ça bah émission bah au leca bah tu vois ça bah descente. Bien que bah descente ça mouqué par rapport à mettre aux autres souhaiter parce que la meilleure manière c'est de toucher bah couche wana assez ou bah dans internet et bah na TVT. Bah on est la majorité na Congo. Ceux qui te bani ko toucher puis nous n'avons pas touché toute la République. On commence tous à concentrer, l'action mine à niveau à Kinshasa. Peu pas à conscientiser, peu pas à la préparer. Moi, il y a des gens qui ont été tous les décors de la révolution, ils allaient planter. Et le réseau Zangaka est l'élément déclencheur. Comment voulez-vous un président de la République qui a un mandat de 5 ans pour résoudre le problème en eau potable à celui qui a 10 camions, celui qui a 20 camions, il y a un côté de la à pétrole. 25 litres, 25 litres. Celui qui a un quartier, il y a un délaté, il y a un côté. Comment voulez-vous, même mettre ça les missions beaucoup équipés. C'est-à-dire que Mamakoua est ok, les agents ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés, les enseignants ne sont pas payés, les fonctionnaires jusqu'à aujourd'hui, bah, ça n'a pas payé. Devant toute cette réalité, et puis que les kawana, les dysfonctionnements systémiques, ils ont été constatés au niveau de l'institution. Tout le décor est allé planté. Et donc, ils ont des éléments déclencheurs. Nous, nous sensibilisons la population pour que le jour où il va go, tout le monde part. Et puis, ils ont des avantages. Tout ça adresse à tout le monde, sans exception. Opération, on a où il y a bonjour. Et moi, le bilan, là, il y a bonjour, tu m'as donné ça, la mort, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, on a tous là, tout ça. Tu m'as dit, pour la bête, tu m'as dit, nani m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, mais tu sais que tu as senti que l'eau monte. Aucun décret n'a été pris pour annuler la création à Minembo. Et côté sur Naruto. Ouais. Deuxième élément. Et comme est-ce que où tu as eu côté, tout tu as eu côté, mais sur le peuple congolais, tu as mis tes âmes à plein. Voilà. Merci beaucoup, papa. Je vous donne le numéro de téléphone pour que vous vous en vous pour que vous vous développez. 00243 81 250 28 51. En tout cas, dans ce pays, mais vous avez dans l'esprit de la révolution. Solution, il y a la solution palliative. Solution à madame, il y a la révolution. Voilà. Merci à Mignon sur Baïboko, c'est qui sont dans le mandat. Merci à papa Nabia Imouté, ma madame Moritibia depuis Paris. Merci à Christian Bopati, le référendum. Merci à papa Nyon sur Baïdinga Joël Kombe. Non, ma maman Nyon sur Baïdinga Maman Joël Kombe. Merci à Cordo et ma Fouikou. Cette émission est terminée. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la chaîne de vérité. Au revoir.